rebelles. Je crois que c'est les rebelles de Qatari qui défendent la maison de la Gringa. C'est quoi ce bordel? Le village de Poryu est droit devant. Faut qu'on se dépêche de trouver la Gringa avant le cartel. On est derrière toi, chef. C'était juste. Ennemi à terre. Je tire. J'ai demandé des renforts aux rebelles. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? On peut te sortir de cette merde, tu comprends? Mais on n'a pas une minute à perdre. Je n'irai pas loin. Regardez-moi. Je connais quelqu'un qui vit dans un village pas loin d'ici. Les rebelles lui apportent parfois des blessés. Tu le connais bien, ce médecin rebelle? Il dira rien au cartel, si c'est ça qui te fait peur. Il leur tient tête. Il n'y a pas plus courageux que lui. On s'est rencontrés quand je bossais dans mon ONG. Pseudo-ONG. C'était le type du coin. Et quelques années et tonnes de coke plus tard, il te met en relation avec les rebelles. Il avait besoin de médicaments. Je pouvais les acheter. Je comprends pas. Ça t'avance à quoi, ce double jeu? Je me demande aussi. Mon but, à la base, c'était d'aider les gens. C'est tout ce qui m'intéressait. Conduis. Accroche-toi, Gringa. On a encore du chemin à faire. Retour aux choses sérieuses. Je ne peux rien garantir. Je suis en état de choc. Elle va s'en tirer? Elle a intérêt. Pourquoi des rebelles protégeaient ta maison? Pat Qatari a dû vouloir me protéger. J'ai froid. Je sens plus mes membres. Pourquoi Pat Qatari protégerait une chercheuse du cartel comme toi? J'ai détourné l'argent de Sueño pour acheter des médicaments aux rebelles. Pac nous a rien raconté de tout ça. Qu'est-ce que j'y peux? Il fait froid. Ou bien, c'est juste moi. Allez, la mise, tiens le coup encore un peu. Le site est droit devant. Pour eux, seul importe le contentement, l'abandon du désir qui laisse... Adelico Trinidad, profil bas.
Hey, qu'est pas ça? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vous la connaissez? Qu'est-ce qui s'est passé? Très sincèrement, il vaut mieux pas demander. Elle s'est pris une balle en plein dans la clavicule. Vous pouvez l'aider? Si, por supuesto. Laissez-la moi. Je vais faire tout mon possible. On va tout faire pour vous défendre, mais il va falloir faire vite. J'ai comme l'impression que Sueño va pas en rester là. Contact. Sueño nous envoie une autre escouade. On les élimine. J'ai demandé des renforts à Pak Katari. On a un hélico en approche. Tout le monde est prêt? Feu! Bien compris. On a fumé l'hélico. J'ouvre le feu. Ennemi abattu. Putain de merde! Alors chef, on fait quoi? On peut pas donner plus de temps au docteur. D'une façon ou d'une autre, la gringa doit venir avec nous. Ok gringa, c'est le moment. Non, encore rien qu'une minute. Je saigne plus, mais j'ai une bille de plomb dans l'épaule. Avec le cocktail que le docteur vient de te filer, tu dois être trop défoncé pour sentir quoi que ce soit. C'est vrai, j'avoue. On y va. Si tu sens que tu vas gerber ou t'évanouir, regarde bien au loin et normalement ça passera. Viendra pour vous ce moment, vous le saurez. Allez, en route. En revanche, je vous demande d'apprendre de mon exemple. Ne laissez pas ces plaisirs faciles abuser de votre esprit et de votre corps. Notre cause, notre but, nuestro destino, exige de vous clarté d'esprit et force de corps. Nous devons tous nous évertuer à nous améliorer et à laisser nos faiblesses derrière nous. Ici Nidia Flores. Si vous êtes une bourgeonne comme moi, toute votre vie, vous avez eu droit aux insultes, aux vexations. La première personne à m'avoir appelée Madonna, c'était ma mère. École, ça a été les autres gamins. Adultes, des amis, des collègues, et ma mère, toujours. Pour elle, je reste une bourgeonne. La raison, c'est qu'on a pas de femme qu'elle soit assez aimable. Il y a même des femmes qui ont réussi, qui se défendent d'être autoritaires. Mais si vous vous contentez d'être aimable, si vous n'êtes pas autoritaire, si déjà ce mot vous plaît pas, vous arriverez à rien. Vous ferez pas des millions de dollars par mois à vendre des marchandises partout. Vous aurez pas votre hacienda, ni des centaines de sicarios prêts à tout. Alors, chicas, soyez des mandonas. Si vous êtes tous aimables, vous arriverez jamais.
point d'extraction. Je demande une évacuation d'urgence à Bowman. Oye, gracias. Maintenant qu'El Cerebro est en fuite, le cartel dégage de... Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! À la guerre comme à la guerre. Arrête de faire ta pleureuse. Mon Dieu! Tiens. Ouvre-le, ouvre-le! On l'extrait dans 10 minutes pile. Ah, putain de merde, vivement que je sois débarrassée de cette pouffe. Ta petite clinique a peut-être fait illusion parmi les rebelles, mais avec moi, tu vois, ça prend pas. Enfin, vu ta cage thoracique, tu vas faire fureur en prison. Achevez-moi, qu'on en finisse! Sincèrement, j'y ai pensé. Mais d'ici quoi, 5-10 ans, 50 ans, si je tiens le coup jusque-là, quand je serai trop vieille pour me torcher toute seule, ça me réconfortera de penser à cette petite garce de la gringa et à ses mignons petits amis de...